À la base, j'avais un peu cette envie de faire aussi bien de l'art que de la programmation. Et TIDI, c'est quelque chose qui était vraiment entre les deux. Un TIDI en général, TIDI parce qu'il fait le lien entre des équipes graphistes, des équipes artistiques et des équipes techniques, doit comprendre les enjeux des deux et doit avoir une vision globale en fait, du pipeline. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en plus, ils vont pouvoir compléter chacun les uns les autres leurs compétences. Il y a plein d'écoles de 3D qui forment très bien à tous les corps de métier. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de formation initiale de TIDI. Il y avait déjà une volonté commune d'avancer ensemble. Une vraie volonté des studios, une vraie volonté d'engagement. On a tous la même problématique, c'est de recruter les personnes les meilleures, ou en tout cas réussir à les former de la meilleure manière. Ils avaient des cours asynchrones, des cours synchrones, avec différents spécialistes qui intervenaient, toujours dans le souci qu'ils aient un socle de connaissances communes. Chaque semaine, l'apprenant pouvait consacrer ces 2-3 heures de la matinée soit à la formation via l'organisme, en suivant les cours à distance de l'organisme de formation, soit en suivant les classes virtuelles avec ses camarades de promotion qui étaient dans les autres studios, soit en se formant dans le cadre du studio lui-même. Il y avait vraiment cette synergie entre les étudiants qui venaient de plein de studios différents aussi. Donc du coup, on a pu voir comment ça se passait dans d'autres studios. Et ça, c'est hyper enrichissant. C'est pas désagréable de commencer sa vie professionnelle avec un contrat au moins de 9 mois et de toute façon avec des entreprises qui sont dans l'optique d'embaucher. Il y a cet engagement de l'entreprise qui est assez rassurant, la formation qui est payée aussi. Aujourd'hui, je suis TIDI en spécialité image, donc la formation s'est bien passée pour moi. Que je m'occupe de tout ce qui est rendu, compositing, surfacing, matte painting. Un parcours que peuvent avoir différents TIDI chevronnés, et là, ils l'ont à travers 9 mois de formation, et ça me semble inestimable. C'est une super expérience et que ça permet de rencontrer des gens. Ça répond vraiment à un besoin en fait.